Bon, ici Master Poulet et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode suivant du dernier. Je ne me rappelle plus c'est quel. On est rendu au chapitre 3, mesdames et messieurs, déjà, oui, une vraie machine. Donc on va commencer tout de suite avec un premier level. Qu'est-ce que je posais faire? Ça va bien? Je sais même pas comment commencer un level. Fait que je vais assumer que... Oh, c'était pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, putain? Fuck! Oh! C'est un train qui nous amène dans l'espace-temps! Nous sommes disparus parmi tant d'autres. Comme vous pouvez voir aussi, la facecam est de retour. Une nouvelle caméra, meilleure qualité, meilleur placement, meilleur tout. Finalement, c'est meilleur que tout. Finalement, c'est ça. On est sur la lune et allons-y. Une bombe. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le drapeau soviétique. Ou pas. Fuck. Un peu rouillé, ça fait un petit bout, j'ai pas joué quand même. On va se laisser le temps de se réhabituer à la stupidité de ce fucking jeu. J'avais pas eu first shot. Biatch! I'm a beast! Je suis trop fort. Je suis trop puissant pour ce jeu. Whoop! Whoop! Non? Ça? What? C'était supposé être quoi ça, hein? Ah, je comprends un peu. Je comprends un peu. Moi, je te dis, je comprends un peu. Hop, il y a un pistolet. Oh, tiens, sur ça. Bah, en fait, c'est un séchoir. Qui fait exploser plus rapidement une montagne. Intéressant. Intéressant. Oh, une banque. C'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Je vole l'argent. Puis je m'en vais. What? À quoi la bombe a pu ne pas avoir explosé? Ouais, je comprends rien, je pose pas de questions. L'ai eu, parfait. Oh, pauvre con! C'était le plus beau saut que j'ai vu de ma vie! C'est quasiment ce qu'il a pas fait du surplace en sautant, là. Oh my god, quel monde sont pas bon! Ok. Toi, je te kick des nuts, tu t'envoles. Puis ça saute. Effectivement, écoute, je vais rester sans commentaire. Ouais. Ouais. Moi, je dis qu'il faut toucher à ça. Là, ça pogne extrêmement beaucoup en feu, puis ça va exploser. Effectivement, donc il ne faut pas toucher à ça. Prochain coup, on ne touche pas. Ah, putain de merde. Ok, la montagne. Ok, ne kick pas une bombe first. Si tu kick une bombe, c'est logique que ça explose. Ah, bordel de merde. Toi, tu vas me donner ça. Done! Fuck! Je sais pas quoi faire. Pourquoi tu me donnes pas la fucking bombe? Oh! Allez! C'est très logique, bombe. Très logique. On dirait qu'ils sont tellement faciles que. On dirait que je cherche trop loin pour les voir. Tu sais, depuis le début, j'aurais pu prendre la bombe là. Puis genre la foutre sur le drapeau, je sais pas. Mais ça explose pareil. C'était un petit peu évident. Ok. Là, celle-là, je l'ai. Premièrement, tu fais ça. Après ça, tu fais ça. Après ça, on descend. On le pêche en bas. Oh shit, il y a du stock qui se passe! What? What the fuck? Ok, ben je l'ai eu! Demande-moi pas ce qui s'est passé. Elle sait pas. Mais je l'ai eu, c'est l'important. Ben, c'est chouir à cheveux. On va faire fondre, monsieur. Well, ça n'a pas marché. Oh la putain de lune. Je suis plus capable de la lune. On pogne la bombe! Non, la bombe. T'as donné à lui. Oh, il va s'envoler avec! Oui! What? Ça a touché à terre, c'est pas mieux!
Ok, I guess qu'on est correct. Bon, il me reste juste cette putain de montagne. Ok, si depuis le début c'était juste ça, là. Fuck! Yeah! Donc, c'est déjà tout pour cet épisode. Je commence vraiment à me demander qui a fait ce jeu parce que je pense qu'il était un peu dérangé ici. Si vous comprenez ce que je veux dire. Non! Donc, laissez des j'aime si vous avez aimé. Commentez pour des suggestions de jeux, toujours appréciées. Des fois, je sais pas trop quoi faire, donc si je trouve quelque chose qui m'intéresse, pourquoi pas. Alors, c'était Master Play et je vous dis bye bye!